Bonjour à tous, Benoît Planche, consultant viticole pour le groupe ICV sur le secteur de l'Hérault. Aujourd'hui, je vais vous parler des pièges pour pouvoir réussir à faire le suivi des vers de grappe et notamment des pièges œdémiques. Sur cette parcelle de chardonnay que nous suivons sur le secteur de Marseillan, nous avons installé des pièges type cabane Delta et également des pièges connectés Fabio. Ici, vous pouvez voir un piège Delta qui nous permet, à l'aide de phéromones, de réussir à capturer les papillons en cours de saison. Je vais présenter donc ce piège TrapView connecté. Nous l'avons installé au printemps et il nous a permis toute la saison de suivre les vols des œdémices. Vous voyez ici une plaque engluée sur laquelle vous pouvez observer les piégeages des œdémices de cette année. Nous pouvons suivre différents types de ravageurs, œdémis, cochylis, cryptoblabès ou eulia par exemple. Et pour œdémis, en tout cas, il faut commencer le piégeage dès le mois de mars à l'aide de ces pièges. Il faut également suivre le vol en passant au moins une fois par semaine, relever les pièges et compter le nombre de papillons et changer les capsules une fois par génération, donc trois fois pour œdémis par exemple. Il existe deux types de pièges, des pièges alimentaires et des pièges à phéromones. En revanche, il faut savoir que les pièges à phéromones ne se suffisent pas toujours. Il faut également observer les pontes et les dégâts sur les grappes de façon à apprécier l'intensité du ravageur. Pour cela, on va tourner les grappes et les prendre en main de façon à observer les pontes qui deviennent brillantes à la lumière. Le piégeage à l'aide des cabanes, mais aussi l'observation qui demande un peu d'entraînement, permet de déterminer s'il est nécessaire de traiter ou non et permet d'adapter sa stratégie phytosanitaire. Comme vous l'aurez compris, ces observations sont essentielles dans le cadre d'une stratégie de lutte raisonnée. Pour toute question complémentaire, vous pouvez faire appel à votre consultant viticole du groupe ICV. Il saura vous aider à mettre en place une stratégie spécifique. Retrouvez toutes nos vidéos et notre actualité sur le site de l'ICV. Au revoir et à bientôt.